saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of falling in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Emma et moi. Donc je me représente très rapidement pour les nouveaux et les nouvelles qui arriveraient aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne. Moi, c'est Christelle. Je suis une tricoteuse du nord-est de la France, dans le sud de l'Alsace, et c'est moi qui anime semaine après semaine, ou en tout cas tout au long de ces derniers temps, cette chaîne, avec soit des épisodes de podcast comme vous avez aujourd'hui, soit des épisodes thématiques sous forme soit de vlog, soit sous forme de reportage. Donc selon mes envies, les opportunités que je vais rencontrer et les sujets qui j'estime ou dont j'ai la possibilité de vous apporter un petit peu de pas forcément de connaissances, mais de choses intéressantes à partager avec vous. Donc, si vous me retrouvez, si vous cherchez sur d'autres réseaux sociaux que YouTube, je suis présente sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo d'Émaillez-moi en un seul mot. Comme d'habitude, je vous l'inscris en bas de cet écran. Avant de démarrer, je vous rappelle que tout ce dont je vous parle, que ce soit les laines, les patrons, les articles présentés, les podcasts dont je vais vous parler, bref, toutes les mentions ou tout ce dont je vous parle, vous le retrouverez dans la barre d'informations de cette vidéo. Si jamais j'oublie de vous mettre une des informations, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 49 et je viens de vous le dire, c'est un épisode de podcast. Donc, j'ai plein de choses à vous raconter et cet épisode, je vais l'appeler « Je suis en retard ». Je suis un petit peu comme le lapin blanc d'Alice, en retard, en retard, je suis en retard. Et alors, ce retard, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup perturbée parce que, à force de vouloir réduire mon nombre d'encours drastiquement, je me suis rendu compte que j'avais pas démarré un certain nombre de projets que je voulais absolument voir aboutir avec des dates bien précises. Je pense notamment à des cadeaux et à l'anticipation de cette période de Noël qu'il faut que je prépare parce que j'ai envie cette année de tricoter un certain nombre de choses faites main. Et je vais me retrouver, si je continue comme ça, je vais me retrouver au mois de novembre à me dire il faut que je tricote et ce sera une obligation et donc je perdrai le côté un petit peu plaisir. Donc comme j'ai estimé être en retard, je me suis dit qu'il fallait que je démarre ces projets. Et puis vous verrez qu'il y en a un qui est vraiment très en retard. Donc avant de démarrer, je vais vous parler de 2-3 petites choses et puis vous donner le sommaire. Donc je vais vous parler d'une sortie de patron qui n'est pas un patron à moi, mais dont je vous ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Mais à l'heure où je vous parle, le patron est sorti et je vous invite vraiment à aller le voir. Ensuite, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir, soit maintenant, soit après, soit dans l'introduction, quelques vidéos de la journée internationale du tricot auquel j'ai participer brièvement parce que j'ai vraiment vraiment eu du mal avec mon emploi du temps en ce moment entre le travail et mes enfants qui passent leurs examens ou du moins qui préparent leurs examens puisque j'ai un fils qui passe son brevet, une fille qui passe son bac et donc il faut que je joue mon rôle de maman police qui dit est-ce que tu as bien révisé, est-ce que tu as bien fait ci. Donc mon planning est un petit peu chamboulé en ce moment, heureusement qu'il y a le tricot pour m'apaiser et retrouver un équilibre dans ma vie, mais je vous en parle tout à l'heure. J'ai aussi certains d'entre vous qui m'ont fait remarquer que je n'avais pas montré mon point de croix depuis un petit moment, donc je vais vous le montrer tout à l'heure, et j'ai un tout petit peu d'acquisition.
Une fois qu'on aura fini cette partie d'introduction, que je vais essayer de faire la plus courte possible, je vous parlerai des projets en cours et des projets terminés. Cette semaine, j'ai 2 projets terminés à vous montrer et j'ai 4 en cours. Non, je vais vous en présenter que 3, parce qu'il y en a un que j'ai terminé. J'ai 3 en cours et c'est 3 nouveaux en cours. J'ai pas été très sage cette semaine. J'ai fait 4 cast-on juste cette semaine. Donc cast-on, pour ceux qui parlent pas l'anglais, j'ai montré 4 nouveaux projets sur mes aiguilles. J'ai eu une crise de cast-onite aiguë cette semaine, mais alors vraiment aiguë. 4 projets en 7 jours, c'est pas bien, Christelle. Bon, j'en ai quand même fini 2. Ce qui fait que lors de l'épisode précédent, et vous le savez, c'est une habitude maintenant, je suis mon nombre d'en cours pour rester à peu près raisonnable, ou du moins rester sous contrôle, puisque j'ai besoin, moi, de certaines limites, sinon je pars dans tous les sens. Du moins, pas de limites. J'ai besoin d'un certain cadre pour évoluer, pour me sentir en sécurité, parce que sinon je pars dans tous les sens, je débute tout, je termine rien, et ça me pose un souci. Donc, j'en ai terminé 2, j'en ai monté 4, j'en avais 6 sur mes aiguilles à la fin de l'épisode précédent, ce qui veut dire que j'en ai 8 actuellement sur mes aiguilles. Donc la pente n'est pas la bonne, je remonte dans le nombre d'en cours. C'est pas grave. Mais voilà, ça peut vous donner aussi une notion du niveau de, on va dire, de stress que j'ai, alors pas de stress, mais de pression que j'ai au niveau de mon emploi. Souvent, quand j'ai besoin de me sentir mieux, je démarre des nouveaux projets. Donc, grosse pression au boulot, gros nombre d'en cours. Ça allait mieux ces derniers temps, mais voilà, bon, c'est comme ça. Parlons bien, parlons tricot. C'est ce que je fais depuis le début, mais parlons bien, démarrons l'épisode. Donc, je vous disais qu'il y a un patron qui est sorti, qui sort aujourd'hui, qui est le premier patron de Ginny Tricote, que vous retrouvez sur différents podcasts, en binôme, notamment sur... Elle a fait un épisode récemment avec Lucie, 3615 comme Quat. Les filles, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous, je vous aime toutes les deux. Vous l'aviez retrouvée un petit peu partout, à droite à gauche, et vous la retrouvez bien sûr sur Instagram sous le pseudo Ginny Tricote. Et donc, Virginie a sorti aujourd'hui son premier patron de socket que j'ai eu le plaisir de tester, que je n'ai pas encore terminé, mais l'objectif c'était de faire une socket, donc j'ai rempli mon objectif, puis après je me suis fait happer par la suite. Mais son patron sort aujourd'hui, elle s'appelle les Socket Azalée, c'est un délicieux patron qui a été designé pour utiliser des laines auto-rayantes, et je trouve ça très intéressant parce qu'il n'y a quasiment aucun patron dédié à ce type de laine. On a par contre on a des beaux choix avec des belles teinturières indépendantes qui nous proposent des laines auto-rayantes, et il y a très très peu de patrons, ou en tout cas pour moi c'était la première fois que je voyais un patron qui était vraiment designé en pensant auto-rayant. Alors moi j'avais pas d'auto-rayant qui me permettait de mettre en valeur la chaussette, du moins dans mon stock actuel. Je la referai certainement par la suite avec une laine auto-rayante quand j'aurai rajouté dans mon stage encore des auto-rayants. Mais du coup, j'ai fait ça en alternant un mini avec une base neutre pour recréer cet auto-rayant et surtout aussi utiliser les milliards de mini et de restes que j'ai dans mon stage. Et donc, je vous montre ces sockets. Vous les avez vus la semaine dernière. Ce sont des sockets. Et alors, il y a eu une évolution. Virginie, elle nous propose le patron en partant des côtes vers la pointe. Mais alors, j'ai appris avec grand bonheur qu'elle va également sortir en même temps ce même patron, mais en partant de la pointe vers les côtes. Et je trouve que c'est une excellente idée, Virginie, d'avoir sorti les deux versions pour que vous puissiez avoir le choix et tricoter selon vos préférences. Donc voilà, ce sont des sockets qui s'appellent Azalée, qui sont sortis aujourd'hui. Je vous en reparlerai beaucoup plus quand j'aurai terminé ma paire, donc certainement la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, on va voir en fonction des urgences dont je vous parle tout à l'heure. Mais voilà ma version. Donc la version des Azalées, c'est une version qui permet, vous voyez, de travailler en chevron et de mettre en valeur vraiment
La partie auto-rayante, elle est ornée d'une petite dentelle qui est totalement accessible aux débutants. Le talon, et j'en ai été très honorée, il est basé sur le principe du talon boomerang. Et merci Virginie d'avoir utilisé ce talon avec une jolie pointe et un montage d'une socket qui fait... Qui est un petit peu différente de d'habitude, puisque ce ne sont pas des côtes. Mais pour en savoir plus, je vous invite à aller voir le patron de Virginie. Il est top. Et alors, ça se tricote hyper rapidement. Donc voilà. Ça, c'était pour les sorties de patron dont je voulais vous parler. Ensuite, point de croix. Point de croix. Je vous montre, parce que je me suis fait gronder. Pas gronder. Je me suis fait un petit peu... dis donc, ça fait longtemps que tu ne nous as pas montré le point de croix, et c'est bien que vous me le rappeliez, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais vraiment par-ci, par-là, qui me procure pas forcément le même plaisir, mais qui me procure quand même du plaisir. Finalement, j'aime bien faire du point de croix. J'en ai deux, je suis multi en cours, je vous en montre qu'un parce que l'autre n'a pas beaucoup avancé, mais au final, celui que je préfère faire d'un point de vue utilisation intellectuelle et donc vidage de cerveau. Donc quand j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin que mon cerveau soit là et donc d'oublier tous mes tracas ou toute ma pression professionnelle, parce que oublier ma vie de famille, ça c'est niette. Mais et donc j'ai besoin d'avoir quelque chose sur lequel me concentrer. Donc soit c'est un podcast, soit c'est quelque chose d'autre, soit je lis, soit je me concentre sur quelque chose qui est techniquement difficile, ou du moins qui me paraît difficile, ou sur lequel ça nécessite de la concentration. Et donc dans mes deux points de croix, j'en ai un qui est sur une toile blanche et donc qui nécessite de compter et de vraiment se référer au papier qui vous dit quelle couleur à quel endroit. Et j'en ai un qui est sur une base colorée que j'ai pas ici, donc qui est sur une base colorée qui a déjà les couleurs dessus. Et donc celui-ci, il suffit de suivre les couleurs et de faire ses points de croix. Donc c'est pas celui-ci que j'ai fait, je suis partie sur celui qui est sur la base blanche. Parce que je vous ai dit, hein, je suis dans un moment où j'ai besoin d'avoir mon cerveau qui s'échappe de la pression professionnelle et qui se concentre sur le plaisir pour équilibrer mon niveau de pression et puis voilà, pour me sentir bien. et donc voilà où j'en suis. Donc c'est un thème sur le, c'est un petit carré, hein, il n'est pas énorme. Je ne sais pas si j'ai la mesure dessus. Je vais regarder. C'est un modèle qui se fait, qui est réalisé sur un carré de 27 par 26 cm. Et donc, il est sur le thème du printemps, de l'été, summer, hein, d'ailleurs c'est écrit dessus. Lorsque je vous l'avais montré la dernière fois, j'avais écrit summer et j'avais démarré la partie haute de cette carte postale et je m'étais arrêtée là. Parce que vraiment, cette carte postale, elle est intense en couleurs, et donc parfois, c'était vraiment juste un petit point par-ci, par-là. Et je m'étais dit, je finis d'abord la carte postale, voilà. Et puis finalement, j'ai pas été sage. Donc j'ai pas fini la carte postale, mais c'est pas très grave, vous voyez, hein, qu'il y a les bords qui ont été bien définis. Je suis partie vers le haut, parce que j'avais envie de faire cette petite bouée qui me plaisait bien. Donc, et de faire du cadre, voilà. Et puis, je suis partie sur la... Alors, là, pour vous, ce sera la gauche. Pour moi, c'est la droite. Mais si je mets face à moi, ce sera la gauche. Mais enfin, on s'en fiche. Je suis partie sur le côté pour réaliser des petits crabes. Parce que ceux-là, j'avais trop envie de les faire. Et je les trouvais trop beaux. Alors, j'ai suivi un de vos conseils. Puisque l'une de vous m'avait dit la dernière fois qu'il fallait faire les couleurs claires vraiment à la fin. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas continué la partie basse, parce qu'il y a beaucoup de jaune clair et de blanc. Donc je vais essayer de faire toutes les parties foncées et venir rajouter les blancs. Vous voyez ici, la partie centrale il n'y a pas le point de croix qui est fait, simplement parce que c'est fait en blanc. Et donc, oula, j'ai la luminosité qui change beaucoup, je suis désolée. Et donc voilà, je ferai la partie blanche vers la fin pour éviter de salir mon fil. Donc merci pour ce conseil, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup. Donc voilà où j'en suis. Je vais essayer de venir vous le montrer un petit peu plus souvent quand même, parce qu'aussi ça me force à avancer un petit peu, sinon j'ai tendance à le mettre de côté et à privilégier le tricot. Donc ça c'est le point de croix. Maintenant,
acquisition, vous le verrez, c'est vraiment tout petit, parce que j'ai été sage cette semaine, mais la semaine prochaine, je ne serai pas sage parce que j'aurai eu des réceptions. Je ne serai pas sage du tout, mais je vous raconterai ça la semaine prochaine, quand je les aurai reçus, puisqu'il faudra que je vous les montre. Je suis passée acheter quelques bases de Rikurumi. Alors, c'est un achat extrêmement raisonné, puisque c'est tout simplement pour progresser. Je vous ai montré la semaine dernière l'ours que je fais actuellement au crochet dans cette même base de Rikurumi. Et je vous disais donc qu'il fallait que je couse avec du fil blanc. Et bien sûr, quand je suis arrivée à la boutique, je suis passée tout simplement chez Cultura parce que j'étais sur place pour autre chose et qu'il fallait que j'attende parce que j'étais en avance. Alors, si vous voulez tout savoir, j'ai été récupérer les passeports de mes enfants qui partent en séjour linguistique et je suis arrivée en avance parce que je pensais qu'il allait y avoir des bouchons et il n'y en a pas eu. Et donc, c'était à côté de Cultura et donc je me suis dit, je vais aller chercher ce fil blanc pour pouvoir coudre la tête et tout le reste de mon ours. Bien sûr, il n'y avait pas de fil blanc. Il y avait toutes les couleurs, sauf le blanc. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, prends la suite. Donc là, j'ai récupéré les deux bleus pour faire le manteau de l'ours, puisque je n'avais pas de couleur qui permettait de faire le manteau comme je le souhaitais. Donc voilà, j'ai pris deux petites pelotes de chaque. Je ne suis pas certaine d'avoir besoin des deux pelotes, mais je ne voulais pas retourner, et puis je voulais absolument avoir le même bain. Donc voilà, j'en ai deux de chaque, il y a 57 mètres et demi sur chacune des pelotes, ce qui fait que j'ai 230 mètres de fil de coton qui rentre dans mon stash pour ce début du mois de juin. Bon, je vous avais dit que je ferais court, mais je n'ai pas fait court. Donc, je vous emmène tout de suite dans la partie plus traditionnelle du podcast. Je vous emmène dans les projets terminés, puis après, dans les projets en cours, vous verrez. Je suis assez fière de moi quand même cette semaine, même si j'ai monté beaucoup de choses, j'ai quand même terminé deux jolis projets. I still recall the first time I saw you. I was so nervous. Alors, ce premier projet terminé de cette semaine, c'est un top d'été. Un top d'été que j'ai tricoté selon un patron de Justyna Lordowska, qui est une designeuse polonaise, et qui nous a présenté un patron qui s'appelle Este, E-S-T-E. Je vous rappelle que tout est dans la barre de description, et que j'ai tricoté dans une laine de chez Madeleine et Philibert, mais je vais vous en parler tout de suite. Donc Justyna Lordowska, c'est une designeuse polonaise, par contre qui propose ses patrons en français, en anglais et en polonais. Donc pour ceux et celles qui sont allergiques à l'anglais, sachez que ce patron, vous pouvez le faire, il est disponible en français. Donc ce patron, je l'ai tricoté en très peu de temps, puisque il m'a fallu moins de 3 semaines alors que j'étais multi en cours pour le tricoter. Je l'ai tricoté en 3,75 en taille d'aiguille et 3,5 pour les coudes. Et donc je vous montre, et après je vous parle de la laine. Donc je vous montre, alors ne faites pas attention aux plis, c'est simplement parce que je l'avais plié. Donc voici ce top, un petit top d'été qui se caractérise notamment, et c'est la raison pour laquelle j'ai tricoté ce top, par une petite bande de dentelle sur la partie haute du t-shirt. C'est un top qui est sans manches, comme vous pouvez le voir, qui a juste une petite finition. Qui est droit, alors pas tout à fait, donc je vous en parlerai quand un tout petit peu tout à l'heure, qui a un léger shaping, donc une mise en forme qui est vraiment bien pensée et qui met en valeur le corps féminin. Donc j'ai été très 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 surprise. Donc d'abord je vous parle des laines, donc voilà, je vous le montre, et puis je vous parle des laines parce que franchement, c'était vraiment un plaisir à tricoter. Moi j'ai tricoté ça dans 2 échevaux. Alors, oui, 2 échevaux de laine en épaisseur sport, qui est une laine de chez Madeleine et Philibert, une qualité en méritancelle, donc c'est une qualité qui fait 50% de mérino superwash et 50% de tencel. Je vous rappelle que le tencel, c'est une fibre à base de papier ou de fibres végétales. C'est une épaisseur sport
qui fait 333 mètres au 100 grammes. Et le coloris, c'est Marrakech. Et donc Marrakech, je vais vous montrer, parce que du coup, il me reste un écheveau complet et un petit peu du deuxième. Cette coloris Marrakech, c'est un coloris qui ressemble un peu à un coloris terracotta. Normalement, vous le voyez bien correctement à l'écran, mais comme les couleurs ressortent différemment en fonction des écrans que vous avez, je préfère vous mentionner que voilà, vous êtes sur un coloris qui est entre un coloris tomate et un coloris terracotta, donc un orange un peu intense, mais pas trop lumineux non plus, donc juste quelque chose de bien équilibré. Et donc cette fibre, j'ai beaucoup aimé la tricoter, elle sera à nouveau sur mes aiguilles très prochainement, parce que clairement, alors ça glisse sur les aiguilles, plus qu'une laine mérino standard, mais alors c'est vraiment doux et c'est du bonheur et du plaisir à tricoter. J'avais un peu peur, alors d'abord, avant que je vous dise que j'ai eu peur, et puis j'ai eu peur pour rien, voilà ce qu'il me reste de mon deuxième écheveau. Donc c'est des écheveaux qui font 333 mètres, moi il m'a fallu un petit peu moins de deux écheveaux, ça c'est le reste du premier. Le reste du deuxième, donc il doit me rester... Attendez, j'ai ma petite balance sur le deuxième écheveau. Youp, il me reste 8 grammes. Donc vous voyez que moins de 2 écheveaux et vous avez un petit top. Donc, j'avais un petit peu peur. Parce qu'il y avait du tencel, parce que j'avais entendu sur d'autres podcasts et d'autres chaînes qu'il y avait la possibilité que cette fibre s'étende, que ce soit tencel, bambou, les fibres végétales, hein, parfois elles ont tendance à bouger. Alors d'ailleurs toutes les fibres, hein, les laines aussi, mais j'avais vraiment peur qu'elles s'allongent beaucoup et qu'elles changent. Donc j'ai fait mon top, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, j'avais fait mon échantillon, il n'avait pas bougé non plus. Mais bon, entre un échantillon et le poids, vous savez, alors c'est pour ça aussi, les échantillons, oui et non, parce que finalement, quand vous avez beaucoup de poids sur votre tricot, et ben vous pouvez avoir le poids de l'ouvrage en lui-même qui va faire que votre top va s'étendre alors que vous n'aurez pas eu de modification de longueur ou de largeur sur votre échantillon. Donc l'échantillon, oui et non, moi je vérifie généralement mon échantillon quand même, mais je n'hésiterai pas par exemple à défaire le bas d'un pull parce qu'il est devenu trop long après l'avoir bloqué. Bon, bref, on est à l'abri de rien, c'est de l'art créatif, ça fait partie du jeu. Donc comment il se monte ce top? Alors ce top, vous démarrez, alors c'est un top comment je pourrais vous dire ça, alors qui se monte en dessous du col. Donc vous tricotez en aller-retour d'ici jusqu'ici, en passant par l'arrière, avec une méthode qui s'appelle une méthode contiguë, qui est une méthode qui a été développée par Suzanne Myers, fait un effet manche montée normalement, mais là comme vous n'avez pas de manche, ça fait un effet où vous avez une épaule qui est semi-plate, et sur lequel vous avez des rangs qui vont venir bien droit se mettre en dessous. Donc ça, j'aime beaucoup cette méthode. Je l'avais trouvée dans beaucoup de patrons, notamment d'Isabelle Kremer, qui a ce principe de montage, pas de montage, de tricot en mode contigu. Il y en a aussi beaucoup chez Marie-Amélie Design. Et moi, j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment de la tenue à vos épaules, qui est différente. Donc voilà, il n'y a pas de raglan ici au milieu, donc vous pouvez vous permettre d'avoir quelque chose qui est relativement plat et beaucoup plus fluide sur l'avant qu'un raglan. Même si j'aime beaucoup les raglans. Hein, donc vous faites des allers-retours jusqu'à ce que vous arriviez à un moment où vous partez en rond. Donc il n'y a pas de col à ce moment-là. En même temps, vous faites cette dentelle. Alors c'est pas qu'une dentelle, c'est un mélange de dentelle et de torsades. Vous avez des petites torsades ici, assez faciles à réaliser, hein, très faciles à réaliser d'ailleurs. Hein, voilà, là, vous les voyez mieux. Vous avez des torsades sur le côté et une partie de
de dentelles sur chacune des épaules. Donc des dentelles, un diagramme qui est très facile à suivre. Alors si vous n'avez jamais fait de torsade, lancez-vous. Alors là pour le coup c'est vraiment, vous avez vraiment juste une torsade, c'est toujours dans le même sens. Alors vous avez une dans un sens, une dans l'autre, mais c'est toujours la même et la répétition de dentelle elle est vraiment très facile. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Ensuite, lorsque vous arrivez là et que vous avez rejoint en rond, vous allez tricoter toute cette partie ici, vous voyez, en dessous de la dentelle. Vous allez d'abord tricoter le dos, puis le devant. Donc vous aurez un espèce de grand rectangle avec un trou au milieu qui correspond au trou de la tête. Une fois que vous avez tricoté la bonne hauteur d'emmanchure, vous venez rejoindre en rond à ce niveau-là. Et vous venez vous rejoindre le devant et l'arrière, et c'est à ce moment-là que vous repartez en rond. Et je pense que vous le voyez bien à l'écran ici. Après avoir rejoint en rond, il y a un shaping. Alors, je cherche mon mot français, une mise en forme, un ajustement. Je cherchais mon mot. Un ajustement pour créer une légère une forme un peu princesse, enfin pas totalement princesse, mais creuser un petit peu la taille. Creuser la taille et mettre en valeur la poitrine. Et donc dans le top, vous voyez, c'est très léger, mais ça fait toute la différence parce que vraiment, vous avez ce côté féminin qui ressort du coup. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça va pas serrer le bidon, mais vraiment, ça va mettre en valeur la poitrine et juste petit quelque chose, il n'y a pas grand-chose, hein, mais ça fait toute la différence. Une fois que vous avez fini les diminutions, hein, puisque c'est une mise en forme qui est réalisée avec des diminutions, vous tricotez en rond jusqu'à la longueur indiquée, vous finissez par quelques petites côtes. Alors, moi, j'ai fait des côtes demi-torse, et j'ai terminé mon ouvrage, je vais enlever le cintre, j'ai terminé mon ouvrage comme d'habitude avec un rabat que vous verrez pas bien, un rabat un rabat à l'italienne, hein, qui est une forme de rabat tubulaire en fait, hein, vous faites un rabat à l'aiguille mais vous n'avez pas besoin d'avoir deux rangs de préparation, vous partez directement avec un rabat à l'aiguille. Moi, clairement, c'est mon rabat favori, je le fais sur mes chaussettes quand je fais du toe-up, je le fais à chaque fois que j'ai besoin d'avoir une élasticité sur mon rabat, que ce soit sur les poignets, sur l'encolure et au niveau de la taille, je fais toujours ce rabat tubulaire. Et ça fait ce rabat à l'italienne, et donc ça fait une très très jolie finition. Je vous le montrerai sur d'autres chaussettes, ça ira mieux. Donc une fois que vous avez terminé le corps et que vous avez fait vos quelques petits rangs de côtes, vous venez relever les mailles sur toute la partie haute et rajouter cette encolure, là aussi, que demi-torse, quelques petits centimètres, et vous rabattez selon votre méthode favorite. Dans le patron, elle vous indique un rabat, elle dit un rabat selon les mailles. Donc, faites-vous plaisir, hein, utilisez le rabat que vous souhaitez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le JSSBO, donc le Jenny Surprisingly Stretchy Bind-Off. Il y en a qui font tout simplement un rabat où vous faites un jeté seulement sur une maille sur deux. Moi, je préfère vraiment faire ce rabat à l'aiguille. Et alors, je sais qu'il y en a certaines qui ne l'aiment pas, mais moi, j'aime ce geste où je passe à chaque fois dans chacun. Ça ressemble d'ailleurs au geste que vous avez sur le grafting des chaussettes. Mais voilà. Une fois que vous avez fait l'encolure, et ben de la même façon, vous venez relever les mailles sur la partie de la manche, ici, et donc vous faites la même quantité de mailles que vous avez eu au niveau de l'encolure, vous le faites sur la manche droite, puis sur la manche gauche, et vous rentrez les fils, et c'est fini. Pas de manche à tricoter, tout va bien. Donc voilà, moi je suis extrêmement contente et du tombé et du porté. C'est quelque chose qui ne pique pas, qui est très doux, qui est relativement léger. Alors, je ne dis pas que je porterai ça avec 40 degrés, parce qu'il y a quand même du mérino à l'intérieur. Mais le côté tencel, vraiment, en fait un top. Là, maintenant, il fait actuellement 28. Il fait 28, on est au mois de juin. Alors, je ne vais pas râler sur la météo, c'est bien, c'est très bien.
Il fait chaud, donc ce qui me permet de mettre des tops vraiment sans manches. Mais là, clairement, c'est vraiment, je trouve plutôt des intersaisons, moi. Je porte mes tops en intersaison. Je vous en ai parlé en fin d'année dernière ou début d'année de cette année. En fait, je ne vais plus faire, ou très peu, s'il y a quand même un débardeur que je vais faire, mais quasiment pas de débardeur, en tout cas pas en laine, parce que je ne les porte pas. Par contre, je vais aller chercher d'autres fibres pour faire ça. Donc voilà, pour mon premier projet, quelque chose que je vous invite vraiment à faire. Il est super, il est très bien écrit. Il est... Alors, je n'ai pas regardé l'inclusivité, mais il me semble qu'il y a beaucoup de tailles. Attendez, je vais tout de suite regarder. Hop, sur le top. Esté, c'est un patron qui est disponible sur Ravelry, qui va du XS au 5XL. Donc une belle large de gamme de taille, puisque ben, son XS correspond à un buste fini de 100. Alors sachant que c'est un top qui se tricote avec 15 à 20 cm d'aisance. Moi j'ai réduit un petit peu, puisque je suis partie sur la taille M, celui qui m'a fait 15 cm d'aisance quand même. j'ai fait 10, pardon. 10 cm d'aisance, puisque je suis descendue en taille S, qui est absolument pas ma taille habituelle. Moi, je fais du L, mais je voulais pas quelque chose de trop ample non plus. Donc, voilà. Mais elle part de 100 cm de buste taille terminée, donc avec 20 cm d'aisance, jusqu'à 172,5. Donc, une belle inclusivité en termes de taille pour correspondre à tous les besoins. Bien écrit, disponible en français, rapide à tricoter, parfait pour tester des nouvelles fibres, notamment la tencelle. Et alors cette laine de chez Madeleine et Philibert, je dois dire que je suis très contente parce que je n'ai aucune différence de couleur. Voilà, je pense que vous ne pouvez pas voir où est-ce que j'ai changé des chevaux. En l'occurrence, vous ne pouvez pas le voir, c'est forcément... Mais... j'ai tricoté, puis pendant au moins ça de haut, j'ai alterné les deux échevaux avant de passer à la suivante, parce que je ne voulais pas de démarcation. Et clairement, voilà, je suis très contente du rendu de ce top, que je vais m'empresser de mettre maintenant que je vous l'ai montré en vidéo. Donc voilà, par contre, vous voyez, la seule petit bémol, c'est qu'effectivement, bah, il prend les plis. Donc je suppose que c'est un petit peu comme les tops en lin. Si vous les pliez, donc dans ma garde-robe, je garde les pulls tricotés à plat. Je ne les suspends pas parce que je ne veux pas qu'ils se déforment ni qu'ils prennent des mauvaises formes au niveau des épaules. Mais alors bah, celui-là, il faudra que je l'ouvre avant de le porter. Du coup, je me mette un petit coup de vapeur à voir parce que bah, il marque les plis. Donc, je viens de voir ça quand j'ai préparé le podcast. Donc, ça marque les plis. C'est un petit peu comme le lin en fait. Hein. Ça marque les plis. C'est pas très grave. Donc voilà pour mon premier objet terminé de cette semaine. Et ben à partir de maintenant, tout ce dont je vais vous parler, vous ne l'avez pas encore vu. C'est les fameux 4 castons de cette semaine. Les 4 projets que j'ai démarrés dans ma frénésie absolue de nouveaux projets. Bon, je vous emmène tout de suite pour découvrir avec moi le premier. I still recall the first time I saw you. I was so nervous. Alors, ce deuxième objet terminé, c'est un cadeau. Un cadeau que j'ai tricoté dans l'objectif de préparer mes cadeaux de Noël de cette année. Et sur lequel je suis en retard. Donc ça fait partie de la thématique de cet épisode, c'est je suis en retard, et donc j'essaie de me recentrer sur qu'est-ce que je dois faire pour éviter d'être prise au dépourvu en fin d'année. Donc ce patron-là, c'est un patron qui s'appelle Soft Kitty Cat Ears Hat, donc petit bonnet de chat, d'oreilles de chat tout doux, en traduction, hein. C'est un patron qui est disponible uniquement en anglais, qui est payant et qui a été designé par Patternery sur Ravelry. Donc je vous mets ça en barre de description. C'est assez facile à faire et c'est un projet qui est très rapide et qui est très bien pour utiliser vos restes de laine un petit peu épaisse, puisque normalement c'est de l'épaisseur hareng. Moi j'avais,
Et c'est un petit peu aussi la tendance que j'ai actuellement. J'ai pas mal de restes de différents types de projets, de laine que j'utilise à droite à gauche dès que je le peux. Donc ici, j'ai voulu utiliser des restes qu'il me restait, et je vous montre les pelotes en clair parce que j'en ai encore du reste. Il me restait de la Lima de chez Drops en coloris 100, donc c'est une espèce de blanc cassé. Et il me reste de l'Alpaga Silk coloris numéro 12, la brush, pardon, Alpaga Silk de chez Drops aussi. Coloris numéro 12, donc ce sont des laines qui viennent de l'une de chez mes mercières locales. Corinne, si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc Corinne qui est la mercière, vous trouvez la boutique à Saint-Louis, la boutique qui s'appelle Théophile, ou Le Détour, pardon, Théophile sur Instagram, Le Détour, et que j'aurai plaisir à retrouver lors des journées, que j'ai eu plaisir à l'heure où vous allez me regarder, pour moi que j'aurai plaisir à regarder, à aller voir demain, dans la journée internationale du tricot. Donc ces deux fils, je les ai associés ensemble pour obtenir une épaisseur à rang, celle-ci étant une DK et celle-ci étant une... je sais pas comment je pourrais la qualifier, parce que c'est une DK lace, comme vous voulez. Je l'ai utilisée pour épaissir celle-là et en obtenir une épaisseur à rang. Donc, comme vous pouvez voir, il me reste encore d'autres restes. Donc, j'essaie vraiment d'écluser ces petits restes par-ci, par-là. Alors, je ne me force pas non plus, mais quand j'ai l'opportunité d'utiliser des restes, je le fais. Donc, j'ai utilisé pour ce projet 20 grammes de cette pelone. Il m'en restait 45 grammes, donc il m'en reste maintenant 25. Et j'ai utilisé moins de 10 grammes de ces brushed alpaga silk, qui elle était une pelote complète puisqu'il m'en reste plusieurs. Et donc je vous montre ce petit bonnet qui est un cadeau à destination de notre petite Lola, qui est un bébé qui est né au mois de mai dans notre famille, dont je vous ai parlé, hein. C'est la petite fille pour laquelle j'ai préparé une boîte de naissance dans laquelle il y avait un semainier de chaussettes dont je ne vous ai pas toutes montré. Et j'en suis désolée, mais c'est parti chez la maman, et un petit top, et puis des petites choses. Donc je vous montre ce petit bonnet qui va aller rejoindre ma boîte de cadeaux de Noël, dont je vous montrerai peut-être dans un des prochains épisodes ce que je vais mettre dedans au fur et à mesure. Donc j'ai une boîte, une grande boîte, dans laquelle je mets au fur et à mesure les cadeaux que je vais offrir à Noël, l'objectif étant qu'elle se remplisse, et pour l'instant elle est un peu vide. Donc maintenant elle sera un petit peu moins vide. Donc voici ce petit bonnet, qui est un bonnet pour une petite fille. Donc comme vous pouvez voir, j'ai associer les deux laines ensemble et donc ça fait un espèce de chiné blanc et rose. C'est un bonnet qui se tricote très rapidement, moi je l'ai tricoté en une journée, hein. Et qui m'a permis d'utiliser des restes à ce niveau-là, mais également des restes à ce niveau-là, puisqu'ici il s'agit d'un petit reste de laine de mout. Je peux plus vous montrer puisqu'il m'en restait un microgramme, et donc là cette fois-ci j'étais prête à laisser partir ce petit reste faire sa vie ailleurs, en l'occurrence nulle part, mais il me restait un petit reste d'un kit à chaussettes, et donc je les ai utilisés pour faire l'intérieur des oreilles du chat. Donc c'est un bonnet qui se tricote en 5 et en 4,5, donc vous avez 4,5 pour les côtes, et ensuite vous passez en 5 pour toute la partie suivante. Il se démarre par ici, pour être sûr d'avoir une très très bonne élasticité. Donc vous voyez, hein, il y a une très très bonne élasticité. J'ai fait un montage en côte, donc un montage à l'anglaise, en côte alternée, comme vous aviez sur le montage des chaussettes 4 éléments. Donc finalement, je l'utilise beaucoup, moi, ce montage, puisqu'il me permet vraiment d'avoir une belle élasticité, encore une meilleure, je trouve, que sur un German Twisted Cast On. Ça a surtout l'avantage d'avoir une très belle finition. Un petit peu, voilà, ici vous le voyez bien, hein. Oups. Voilà, ça fait une finition, vous avez vraiment l'impression que les côtes vont à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, et comme si vous aviez fait un rabat tubulaire. Hop, 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 montre-moi la bonne chose, voilà. Donc, et pourtant non, c'est un montage. Donc, une fois que vous avez fini un certain nombre de rangs de côtes, vous passez en jersey jusqu'à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous avez une alternance, donc vous avez trois
jeux de torsades qui sont réalisés en alternance. Donc vous démarrez avec celle-ci, puis celle-ci, puis les deux à droite, et elles sont faites en alternance. Vous ne faites jamais les trois en même temps. Donc ce qui est chouette, parce que c'est vraiment, et puis il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 torsades en tout et pour tout sur le bonnet. Donc si vous voulez vous exercer, pas de problème. Alors, la designeuse, elle nous laisse le choix de faire des torsades à droite ou des torsades à gauche. Donc je vous rappelle que si vous torsez à droite, c'est parce que vous avez mis vos mailles en attente sur l'arrière, et que si vous torsez à gauche, c'est tout simplement que vous avez mis vos mailles en attente sur l'avant. Elle vous dit juste choisissez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, mais par contre restez consistant sur l'ensemble du projet. Donc si vous choisissez de croiser à gauche, et ben vous croiserez à gauche toutes vos torsades. Si vous choisissez à droite, et ben vous croiserez à droite toutes vos torsades. Moi j'ai choisi de faire une torse à gauche, donc vous le voyez à l'envers, hein, sur l'écran. Moi j'aime bien quand mes mailles sont en attente sur l'avant, parce que pour moi, c'est tout simplement plus facile d'aller les récupérer. Bon, bref. Ensuite, vous, alors, si je vous mets le projet à plat, il s'agit en fait d'un carré. Donc, c'est hyper facile à réaliser. Moi, j'ai fait une petite modification. C'est que normalement, à la fin de ce carré, elle vous dit rabattez vos mailles d'une certaine façon, qu'elle vous explique dans le patron. Moi, je n'ai pas voulu rabattre les mailles d'une certaine façon. J'ai tout simplement fait un grafting tout du long. Me cacher pour que vous puissiez voir un grafting tout du long pour avoir une meilleure finition. Je trouvais que c'était beaucoup plus élégant que ce qu'il y avait dans le patron. Et ensuite, elle vous fait faire une manipulation qui fait justement, au lieu que ça, pour passer du carré au rond avec des oreilles. Et donc ça, c'est expliqué dans le patron. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est un patron payant, et que si je vous l'explique, par contre, là, pour le coup, je vais divulguer un certain nombre de choses. Mais voilà, elle vous fait faire une manipulation pour que vos oreilles reste en forme et au bon endroit. C'est très facile. Enfin, c'est vraiment très facile. Mais je vous laisserai découvrir dans le patron. Ensuite, elle vous fait tricoter ces petits triangles séparément et vous venez les coudre à cet endroit-là. Et vous avez terminé votre petit bonnet. Donc voilà, ça c'est un petit bonnet qui fera partie de mes cadeaux de Noël fait main de cette année. Donc je suis très contente. Et je vous invite à le réaliser. C'est vraiment, vraiment un bon utilisateur de reste. Et ça fera son effet. Donc, voilà. Voilà pour mon deuxième projet de cette semaine. Maintenant, on va parler en cours. Tout plein de projets que je monte et que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. I still recall the first time I saw you. I was so nervous. Alors, le premier projet en cours dont je vais vous parler, c'est une paire de chaussettes. Et là, je vais poser ma tablette parce que j'ai pas besoin de mes notes. C'est une paire de chaussettes sans patron. Une paire de chaussettes qui a une petite histoire dont je voulais vous parler, puisque je le réalise pour mon papa, pour la fête des pères. Et là encore, on est toujours dans le thème de l'épisode. Je suis en retard! Mais je me suis rendu compte que ça allait être la fête des pères. Et pourtant, j'avais noté, je veux faire une paire de chaussettes pour mon papa, pour la fête des pères, parce qu'il n'arrête pas de la réclamer. Enfin, pas me la réclamer. Il n'arrête pas de dire à quel point celle de mon mari et de mon fils lui plaisent. Donc, j'ai bien conscience qu'il voulait une paire de chaussettes. Ma mère m'a bien mis des petits indices en me disant « Si jamais tu veux tricoter une paire de chaussettes pour ton père. » Donc, je m'étais dit, pour la fête des pères, il aura une paire de chaussettes. Sauf que j'ai réalisé que ça allait être la fête des pères dimanche dernier, quand c'était la fête des mères, parce que je me suis souvenu que systématiquement, 15 jours après la fête des mères, c'était la fête des pères. Et donc là, je me suis dit, oh, ben, je suis en retard. Ça veut dire que grosso modo, parce que je ne m'en suis pas rendu compte non plus, le dimanche, et puis dimanche soir, j'ai monté la chaussette. Non, c'est dimanche. Et puis après, je réfléchis, et puis après, je me rends compte, oh, j'ai pas démarré. Et puis après, bon, ben voilà. Bon, finalement, j'ai moins de 2 semaines pour faire une paire de chaussettes hommes. Ça va être un petit peu chaud, mais j'espère y arriver. Donc, vous allez voir, j'ai déjà pas mal avancé. Donc, cette paire de chaussettes, je l'ai tricotée dans une laine que j'ai achetée lors du salon Bretzlaine et que j'ai achetée chez By Night Création, donc Nathalie de By Night.
J'ai plusieurs laines à elle hein, que j'ai tricotées. J'aime beaucoup Nathalie. Elle a l'avantage de teindre ses écheveaux de manière assez naturelle, enfin, avec des composants naturels. Donc c'est ce qui me plaît aussi chez elle. Donc moi j'ai acheté une base Starsock, qui est sa base à chaussettes, hein, qui est une 75% Merino Superwash et 25% de nylon. C'est une fine grine parce qu'elle fait 400 mètres pour 100 grammes et je tricote mes chaussettes en 2,25. Je voulais absolument, et c'est pour ça que je voulais absolument le voir au salon et pas commander sur internet, je voulais absolument mettre la main sur ces fameux zinzins d'Igo. Et j'ai enfin réussi à en avoir un. Parfois vous avez du mal à attraper ces zinzins d'Igo, ils partent assez fort. Donc le principe de ces zinzins d'Igo à Nathalie, c'est qu'elle fait une première teinture dans une base XYZ. En l'occurrence, celui-ci c'est un zinzin d'Igo sur une base Garance. Donc la base Garance, je peux vous la montrer puisque j'ai acheté le petit mini en Garance pour aller avec. Donc ça ressemble un petit peu à mon Marrakech d'avant, mais en plus foncé. Ça, c'est le Marrakech dont je vous ai montré le top. Et là, on sera sur le zinzin d'Igo. Donc, vous voyez, elle est plus foncée, plus brique. Celle-ci va être plus terracotta, celle-ci va être plus brique. Couleur brique, hein. Pas le poids, la couleur. Humour pourri. Humour pourri de Christelle sous pression. Couleur Garance, et cette couleur Garance, une fois qu'elle a teint son écheveau, elle va le passer dans une base de zinzin d'Igo selon un procédé qu'elle a appris dans le cadre d'une formation dont je ne me souviens plus exactement, Michel Garcia il me semble, qui consiste à plonger son écheveau ensuite dans un deuxième bain à base d'indigo et de chaud il me semble, et qui va créer ces effets de couleur qui va s'enlever à un endroit, le bleu de l'indigo qui va venir remplacer et donc faire tous ces effets de teinture. Donc elle utilise cette technique-là sur différentes bases, elle utilise ça sur de la Garance, mais je sais qu'elle l'utilise aussi sur d'autres de ses coloris et en fait le rendu va être unique à chaque écheveau. Donc c'est aussi pour ça que je voulais les voir absolument en vrai, dans un salon, pour pouvoir choisir les chevaux selon le degré d'intensité et le rendu de la couleur que je voulais absolument. Et j'ai bien fait puisque tous les écheveaux étaient vraiment très 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 différents, avec plus ou moins de Garance, plus ou moins d'indigo, et voilà. Donc je vous montre cet écheveau, voilà, je vous le montre en cake parce que je ne voulais pas montrer parce que j'ai déjà commencé. Hein. Donc voilà ce que ça donne. C'est un écheveau qui va être très dans la nuance, qui va avoir les jeux de Garance plus ou moins intenses. Là, vous voyez, il y en a qui sont restés vraiment bien intenses, d'autres qui sont déjà plus nuancés, d'autres qui ont pris les deux couleurs à la fois, le bleu et le marron, le bleu et le Garance, et donc faire presque un violine à certains endroits. Puis la chaux qui a fait son effet, où on se retrouve avec des zones qui sont plus claires, et le bleu qui vient, le bleu de l'indigo, hein, qui vient s'intercaler un petit peu partout. Alors je vous montre ce que ça donne et puis après je vous explique mon petit souci parce que pas de tricot sans souci non plus, il faut bien que j'ai un petit couac à chaque fois, celui-ci est facile à résoudre. Donc voilà à quoi ressemble ma chaussette pour mon papa, et j'adore le rendu, donc là vous avez la couleur Garance et j'espère que vous avez la bonne couleur à l'écran, il est plus clair en vrai que ce que vous voyez à l'écran. Donc ça fait des petites zones de comme la peinture, hein, tout ce que j'aime. Vous savez, je vous parle souvent de la façon dont teint Ludivine de Arco Irisiane, ou dans la façon dont teint Ingrid une Louve dans les bois, mais il y en a d'autres qui font ça aussi. Hein. On retrouve ce côté un peu comme un peintre qui va venir mettre ses touches de peinture, et voilà, je me rends compte au fur et à mesure que j'aime ça. J'aime plein d'autres choses, hein. Aussi. En fait, j'aime tout, mais ça me touche particulièrement. Donc voilà, le zinzin d'Igo, il va se tricoter comme ça, en tout cas celui que moi j'ai eu, il se tricote comme ça. On retrouve des nuances de ciel avec les différentes intensités de l'indigo, et puis on retrouve pareil les différentes nuances du coloris Garance. Qui va sortir plus ou moins, et je trouve que du coup il s'assortit très bien avec le mini que j'ai choisi. Alors je l'avais pas fait
En anglais, on dit on purpose, en français, on dit de manière volontaire. J'ai choisi pour moi, j'ai pris mon écheveau Zinz Indigo, j'avais pas fait attention que c'était sur une base de garance, et puis j'ai cherché le mini chez Nathalie. Et quand je l'ai trouvé, j'ai dit ça, c'est le mini parfait. Elle me dit bah oui, c'est normal, c'est une base de garance, c'est normal que tu choisisses garance. Ah oui, bah oui. Quand on est blonde jusqu'au bout. Bon. Alors, je vous explique le micro souci qui m'a... Alors, j'en ai deux. Hein. La première, c'est que vous voyez que bah, je suis pas très loin. J'ai passé mon talon, j'ai fait 25 rangs sur le pied. Moi, pour mon papa, il fait 42,5 en termes de pointure, ce qui fait que par rapport à ma tension à moi et la façon dont ma façon de tricoter, il faut que je fasse 75 rangs de pied avant de démarrer la pointe. Bon, ça veut dire que j'ai fait un tiers de pied. Aujourd'hui, on est vendredi. Pause de midi. Alors oui, j'ai cet après-midi une réunion où potentiellement je peux tricoter en écoutant, en participant hein, bien sûr toujours, hein, en faisant mon boulot mais en occupant mes mains. Vous me connaissez hein, si jamais vous êtes là depuis longtemps. Mais je ne suis pas certaine d'arriver à finir la paire complète jusqu'à dimanche prochain. Sachant que dans l'absolu, il faudrait que je l'ai terminée pour jeudi soir pour pouvoir vous montrer la paire avant de l'offrir. Ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, le vrai souci, bon, ça c'est le souci d'organisation, c'est Christelle qui pense à haute voix. Le vrai souci que j'ai, c'est que ces chaussettes, moi je les tricote en 2,25, pardon, mais je les tricote en 72 mailles. Je sais que dans chacun des mini, pour ma taille à moi, en 64 mailles, j'ai suffisamment pour faire les côtes, le talon et la pointe. Et j'ai pas réfléchi. Je suis partie, bille en tête, côte, talon, pointe, machin, 72 mailles. Ai-je assez dans un mini pour faire les trois? Je ne suis vraiment pas certaine. Sauf que bah, je n'ai pas pesé mon mini avant de démarrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mon mini après avoir réalisé les côtes. Il me restait 17,75 grammes. Donc autant vous dire que le mini devait faire plus que 20 grammes, puisque moi, je sais d'office qu'il me faut plus que 2,25 grammes pour faire les côtes. Donc j'ai aucune idée de combien j'ai utilisé là. Ensuite, j'ai pesé combien j'ai utilisé pour le talon. J'ai utilisé 3,5 grammes. Donc, pour résoudre mon petit dilemme, qui n'en est pas un, je vais tricoter, donc, parce que j'ai une solution, quand même. Je vais tricoter les côtes de ma deuxième chaussette sur une deuxième aiguille, mais que les côtes, parce que je ne veux pas couper mon fil et je ne veux pas partir avec le fil du milieu, parce que je veux vraiment qu'il y ait... Parce que c'est comme ça. Voilà. Non, je ne veux pas prendre le fil du milieu, parce que sinon, quand je le prends de l'extérieur et de l'intérieur, j'ai mon écheveau qui s'écroule et qui me fait des nœuds après. Soit vous le prenez, alors, en ce qui me concerne, soit je le prends de l'intérieur et dans ce cas-là je le mets dans une espèce de cosy à chaussettes, une espèce de chaussette autour de mon écheveau pour le tenir en place, soit je le prends par l'extérieur. Moi, ma manière préférée, c'est de le prendre par l'extérieur parce que je trouve que le cake il reste plus en place. Mais si je fais les deux, c'est ce que j'ai fait sur d'autres écheveaux, je me retrouve vraiment avec un énorme nœud après et puis le rebobiner, c'est l'enfer. Donc là, je vais monter ma deuxième chaussette pour faire les pointes. Je vais peser mon mini juste après pour savoir exactement combien j'ai utilisé. Comme ça, je pourrais savoir combien j'ai utilisé pour ces deux-là et en divisant par deux la quantité qui me restera. Donc, je reprends. Explication. Je saurai exactement combien j'ai utilisé ici et sur l'autre pointe. Donc, je vais utiliser l'autre pointe. Je vais utiliser les autres côtes pour calculer combien j'ai utilisé de grammes ici. Ça, je vais le déduire de ce qui me restera après les côtes. Et donc, il me restera, je ne sais pas, certainement 5, 6, 7 grammes de ce mini. Enfin, j'espère qu'il me restera 6 ou 7 grammes de ce mini. S'il me reste 6 ou 7 grammes du mini, j'ai assez pour faire les pointes, les deux pointes. S'il me reste moins de 6 ou 7 grammes, ça veut dire que je n'ai pas assez pour faire les deux pointes. Ce qui veut dire qu'il faudra que j'avise, et dans ce cas-là, je ferai certainement un jeu de rayures et je ferai la pointe en coloris principal. Je ne sais pas encore,
puisque j'ai pas encore tricoté cette deuxième chose, mais c'est la solution qui m'est venue à l'esprit ce matin en me disant, mais Christelle, tu sais comment récupérer la chose. Donc ça me permettra aussi de reconstruire combien de grammes j'avais sur ce mini au départ. Parce que vraiment, il me manque cette donnée d'origine. Je ne sais pas pourquoi, je suis partie bien en tête. Habituellement, je passe bien mes échevaux au début pour juger et estimer à combien il m'en restera, est-ce que je vais en avoir assez ou pas. Mais là, je ne sais pas, j'étais tellement dans le rush, tellement dans la précipitation que j'ai démarré sans réfléchir et ça, ce n'est pas bien. Enfin, en tout cas, pour moi qui suis quelqu'un d'assez structuré, hein, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, je crois que c'est les péripéties d'une belette qui, dans son dernier podcast, mentionnait qu'elle partait dans tous les sens et qu'elle était toute fofolle et que moi, j'étais quelqu'un d'assez structuré. Et c'est vrai, moi, j'aime bien regarder tous les types de podcasts parce que je suis plus attachée à la personnalité ou à la façon d'expliquer les choses des gens que je regarde. Plutôt que de les mettre dans des cases, il y en a certains que je regarde qui sont vraiment très éloignés de moi, qui sont vraiment voilà, tout foufou, tout nature. Il y en a d'autres qui sont hyper structurés. Alors je sais que j'aime bien regarder Loli Pelote parce qu'elle elle nous fait voyager, visiter et puis elle nous fait un peu nous évader. J'aime bien. Je regarde souvent Manu, Miss Manu au naturel parce que ben, parfois ça lui prend. Elle parle d'un sujet qui lui tient à cœur à ce moment-là et ça sort de nulle part. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien. Et puis alors elle part parfois dans plein de projets différents. Et puis voilà. J'aime regarder Eve parce qu'il y a le côté structuré, organisé. Et voilà. Et en fait. Il y a le côté tout foufou de Christelle, rêver sa vie en couleur. Il y a la douceur de Caroline, Petit Pimousse, le côté nature de Chantal, enfin, de Fraîcheur Mentalo. Je ne vais pas toutes vous citer parce qu'en fait, je regarde plein de podcasts que j'aime, mais tous pour une raison particulière. Et en fait, ils sont tous différents. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, parce que moi, j'ai besoin d'être structurée. Mais c'est pas pour vous, c'est plus pour moi. Parce que si je suis pas structurée, je pars dans tous les sens. Et alors par contre, quand je pars dans tous les sens, je me perds. Mais je me perds moi-même. Donc si je veux pouvoir vous présenter des choses et vous parler de manière cohérente, il faut que je me mette un cadre. Et ça me rassure, moi, d'avoir ce cadre. Je sais que ça vous a... certaines d'entre vous m'ont dit que ça les stressait quand je parlais de chiffres, d'objectifs, de cadres et tout ça. Mais moi, j'en ai vraiment besoin parce que moi, ça me stresse justement de ne pas avoir de cadre. Mais c'est certainement une déformation professionnelle. Donc voilà, bon, en tout cas, là, j'ai un objectif, mais là, c'est un objectif qui me stresse parce que je veux absolument que mon papa, il ait ses chaussettes tricotées et que je le vois dimanche prochain et que je m'en voudrais vraiment d'avoir loupé ce coche. Donc ça, ce sera mon projet prioritaire de chez Prioritaire. À partir de maintenant, parce que je veux absolument les terminer. Donc logiquement, vous devriez avoir un... Je ne vais pas m'engager. Hein, mais... J'espère avoir terminé ces chaussettes pour le prochain épisode. Donc voilà. Bon, maintenant, je vous parle de deux autres projets. Allez, on avance, sinon on finira jamais cet épisode. C'est parti pour la suite. I still recall the first time I saw you. I was so nervous. Alors, ce prochain projet, c'est aussi un projet sur lequel j'ai décidé d'utiliser mes restes, mais c'est aussi un projet sur lequel je suis en retard, parce que vous l'aurez bien compris, c'est vraiment le thème de cet épisode. Je me suis rappelé que j'avais pris des engagements ou que j'avais des objectifs et que j'allais pas les réussir à les atteindre. Donc ce projet-là, il s'agit d'un petit gilet sans manches que je réalise encore une fois pour la petite Lola qui est née récemment et que je voulais. Alors je lui ai déjà offert à la maman une boîte complète de naissance, mais je ne voulais pas venir les mains vides la première fois que nous allions rencontrer notre petite nièce. Et donc je voulais tricoter un petit top d'été qu'elle pourrait mettre avec un petit peu de dentelle, un petit peu de délicatesse. J'adore tricoter pour les bébés filles, en fait. J'aime bien pour les bébés garçons aussi. Mais alors pour les bébés filles, il y a tellement de choix, c'est incroyable. Donc là, cette fois-ci, je regarde mes notes, hein, j'ai tricoté un petit gilet qui s'appelle Cella Down et qui a été designé par Taïga Iliar, que je ne connaissais pas. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry en anglais et que je tricote avec des aiguilles de 3,5.
et dont je vais vous... Alors, 3,5 et que je tricote dans un reste de chez Katia Concept en coton cachemire. Alors, c'est, pour ceux qui me suivent régulièrement, c'est le coton que j'ai utilisé pour mon top. Il me restait une pelote complète, qui me certainement me restera encore. Il me restait une demi-pelote et un trois quarts de pelote. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà tricoté un bon peu de ce trois quarts de pelote. Donc, c'est un petit gilet que je vais vous montrer, que j'ai pas mal avancé. Hein. Hop, je vais y arriver. Voilà ce petit gilet. Alors, je vous montre que la partie. Donc, c'est un gilet qui se tricote en aller-retour, qui n'a pas de manche. Donc, c'est un gilet sans manche. Que vous commencez par le col. Vous voyez que j'ai déjà séparé les manches du corps. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Est-ce que j'arrive à vous mettre sur le cintre? Ça va être faire un cintre immense avec un micro-top. Ah si, ça marche. Donc, voilà. Ce sera plus simple pour moi pour vous le montrer. Donc, c'est un top qui se démarre par le col. Par le col, c'est un col qui est tricoté en poinerie, donc sur quelques rangs, donc j'ai trouvé ça très original. Puis vous avez une partie en yoke avec une jolie dentelle que vous avez là, qui est très simple à suivre, vraiment très, très agréable à tricoter, qui est sous forme de diagramme ainsi que sous forme de ligne à ligne. Ensuite, juste avant de séparer les manches du corps, vous faites un petit rappel de ce fameux point de riz qui va couvrir tout le long du corps, y compris et qui fait la finition au niveau des manches. Puis vous séparez les manches du corps et vous tricotez le corps, toujours en aller-retour, pendant un certain nombre de centimètres. Et là, je suis arrivée au moment où... je crois qu'il me reste encore 2 petits centimètres à réaliser. Et ensuite, j'ai un deuxième panneau de dentelle, qui n'est pas la même que celle qui est au-dessus, avant de finir le bas. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Le patron est très bien conçu parce qu'il vous fait tricoter en même temps, je pense que vous le voyez ici, la bande de boutonnage. Donc il n'y a que 4 boutons. 1, 2, 3, 4. Donc là, moi, j'ai fini la bande de boutonnage avec les boutonnières, qui vous fait tricoter les boutonnières dans la bande de boutonnage. Ensuite, moi, je vais tout simplement continuer à tricoter la bande de boutonnage, mais il n'y a plus de boutons. Voilà. J'ai pas encore choisi les boutons. J'en ai une quantité astronomique dans mon atelier de couture. Hop. Mais je trouve ça vraiment très sympathique, ça se tricote très rapidement. Il vous faut de l'épaisseur sport, donc en tout cas, ça tombait bien. Moi, c'était ce qui me restait sur ce coton-là. Et je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à le réaliser. Il est très bien écrit, même s'il est écrit en anglais. Donc en termes de taille, moi, je fais la taille 6 mois, puisque le bébé est né maintenant. Et comme il s'agit d'un gilet, elle va pouvoir le mettre... Enfin, il est né maintenant, il est né le mois dernier. On ne l'a pas encore vu, puisque notre belle famille... La nièce habite à 500 km de chez nous, donc il va falloir qu'on aille la voir. On a vu plein de photos, hein, donc ça, ne vous inquiétez pas. Trop beau, trop belle cette petite Lola. Mais voilà, donc je voulais absolument la terminer avant qu'on décide d'aller à Lyon pour aller voir notre petite nièce. Pas 500 km, 400 km, ça suffira. Mais voilà, donc notre petite nièce, elle habite à Lyon, près de Lyon. Et donc je ne voulais pas venir les mains vides. Je trouve que... Et puis ça me fait trop plaisir de tricoter pour ces petits bouts-là. C'est tellement différent, c'est tellement petit. Et vous allez voir, c'est petit par rapport au reste. Donc voilà, un petit top que vous devriez... Alors celui-ci, je suis quasiment certaine de l'avoir terminé la semaine prochaine parce qu'à l'allure où ça monte, sur une taille 6 mois en sport, ça devrait aller assez rapidement. Mais je crois qu'il faut quand même que je donne la priorité aux chaussettes de mon père. Hein. Donc voilà, pour ce petit top, je vous le montrerai encore certainement très prochainement. I still recall the first time I saw you. I was so nervous. Alors ce dernier projet que j'ai monté sur mes aiguilles, c'est un pull pour mon mari. Et vous remarquerez quand même que dans cet épisode, j'ai tricote essentiellement pour les autres. Je tricote pour la petite Lola.
Je tricote pour mon père, je tricote pour mon mari et je crois que je vais repenser un petit peu à tricoter aussi un petit peu pour moi. Il est temps de se recentrer sur soi-même, Christelle, un petit peu. Donc, le pull de mon mari, et là aussi, je suis en retard, mais j'ai pas de date butoir, mais je m'en veux plus qu'autre chose, parce que c'est un pull que je devais démarrer au mois de février, où j'avais l'intention de lui offrir pour son anniversaire fin mars, et puis on est au mois de juin, et je viens de le monter sur mes aiguilles. Pas bien, Christelle, pas bien, Christelle. Bon, il l'aura pour la belle, le mois, pour l'automne. Donc, ce pull-là, je le tricote selon un modèle de ce livre-là, qui s'appelle 32 modèles de tricot pour hommes, qui est un livre aux éditions Marie-Claire Édition. C'est un pull qui comprend, comme son nom l'indique, hein, 32 modèles différents, essentiellement des pulls et des gilets, qui vont du taille 38 à la taille 56. Alors attention, la plupart des modèles sont écrits à plat. C'est ce qui fait que j'ai un petit peu tardé à démarrer, mais qui se transforme finalement assez facilement en modèle en rond, mais en bottom-up, hein, puisque ce sont des modèles qui sont écrits à plat. Donc mon mari, il a feuilleté le livre, il a trouvé approximativement que la moitié du livre lui conviendrait bien, mais on s'est mis d'accord sur le pull avec un pull en col V, oups, que je vous montre pas le patron, donc on s'est mis d'accord sur ce pull-là, je vais essayer de pas vous montrer le patron, qui est un pull avec un col légèrement V, avec une patte de boutonnage, une manche montée, et la particularité, c'est qu'il a des côtes d'une certaine façon sur les côtés, des petites côtes en bas, et donc ce fameux col en V. Et donc c'est ce que lui voulait. C'est un pull qui se tricote en aiguille 3, que je suis en train de tricoter actuellement, et en 3 pour toute la partie des côtes du bas et des manches et du col, et en 3,5 sur tout le reste du corps. Donc je suis partie sur un pull grande taille, en 3,5, j'en ai pour des plombes. C'est pas très grave. Donc ce pull-là, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous m'aviez vu aller à un salon de la laine en Allemagne, à Neuenburg am Rhein au mois de novembre, et on y était allé avec mon mari et on était revenu avec une tonne de laine. Grosse erreur de ma part, je ne sais pas si c'est une grosse erreur, j'y ai pris beaucoup de plaisir, lui a pris énormément de plaisir à me mettre plein d'échevaux dans le sac, mais alors vraiment une tonne, et c'est pas bien grave parce que je vais tous les tricoter, je suis pas inquiète, hein. Mais il avait notamment choisi des laines de chez Locoporella, qui est une teinturière indépendante allemande. Il a choisi une Merino single dans un coloris. Alors, est-ce que j'arriverai à vous sortir ce coloris de la bonne façon? Parce qu'il paraît hyper foncé, mais il ne l'est pas. Enfin, si, il est foncé, mais il a énormément de nuances. Vous le verrez peut-être mieux une fois tricoté. Donc, c'est un pull un coloris qui s'appelle Brown and Bear, donc ours brun. Mais moi, je l'ai toujours appelé cognac, parce qu'il a un petit peu ses effets de coloris avec cette petite pointe de rouge qu'on retrouve dans certains marrons et qui pour moi sont propres vraiment à ce coloris de ce cognac qui a vieilli en fût de chêne. Donc voilà, donc c'est un coloris qui est très 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 nuancé, qui est très joli. C'est une laine en 100% mérino extra fine superwash. Et qui fait 365 mètres pour 100 grades, donc c'est une fingering un peu épaisse, presque sport, plutôt fingering épaisse. Une fois mise en cake, je vous montre le cake parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose pour l'instant parce que je viens de démarrer. Une fois mis en cake, voilà ce que ça donne. Alors là, voilà, vous voyez bien mieux la couleur et tout ce dont je vous parle. Vous voyez toutes ces nuances chaudes avec une pointe de rouge orangé dedans, c'est ce qui lui a plu et qui, j'avoue, me plaît beaucoup. Bon, où j'en suis? Et pourtant, j'y ai déjà passé un temps fou. Mais vous allez me dire, Christelle, t'as rien fait. Et puis, je suis emmêlée. Hop! Et voilà. Donc, où j'en suis? Attention, vous avez déçu. Voilà où j'en suis. Mais par contre, il faut quand même que je vous dise. J'ai monté presque 300 mailles
Et pour garder l'élasticité, à nouveau, je les ai montés en montage en côte. Par contre, comme ici, on est sur des côtes de 2, plutôt d'alterner une fois en droit, une fois envers, et ben j'ai utilisé la même technique où ben j'ai fait deux mailles en droit, donc j'ai piqué par l'avant pour faire des mailles en droit, et après j'ai fait deux mailles envers, j'ai pris par l'arrière. Et comme le pull, comme vous pouvez le voir ici, ici là, sur le côté, a des côtes, mais avec un autre rythme, ce ne sont pas des côtes de 2, je me retrouve sur les côtés, ici, à avoir placé un certain nombre de marqueurs, parce que le montage que j'ai réalisé entre ces fameux marqueurs-là suivent le rythme du type de côte qu'il y a sur le côté du pull, alors que sur l'autre partie, donc la partie devant et la partie 2, je l'ai fait un montage en côte 2-2. Donc ça m'a demandé un temps fou de réflexion pour m'assurer que j'avais une continuité entre mon montage et la façon dont le pull allait se développer ensuite. Utilisation de cerveau. Vous voyez le lien avec beaucoup de pression au boulot, besoin de me concentrer sur autre chose. Donc, tout ça pour dire aussi que j'ai bien monté en rond, que je n'ai pas twisté mes mailles. Et ça n'a pas été une mince affaire parce que avec presque 300 mailles, je me suis dit que jamais j'allais y arriver. Ensuite, bah, je suis en train de tricoter en aiguille 3 des côtes, donc bah, ça prend un temps fou. Et quand vous avez 300 mailles, bah, chaque rang est interminable. Et comme en plus c'est des côtes, bah, vous devez changer de côté un coup devant, deux coups derrière, bref. Bon, ça c'est pas très grave, mais voilà où j'en suis actuellement. L'autre chose dont je voulais vous le parler, c'est que c'est, voilà, je vous l'ai dit, c'est du tricot à plat. Enfin, du moins, c'est écrit pour du tricot à plat. Et moi, je les ai transformés en rond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je tricote à la suite les explications du dos, puis les explications du devant pour arriver en rond. Mais quand vous faites ça, il ne faut pas oublier de supprimer la première et la dernière maille de votre devant, ainsi que la première et la dernière maille de votre dos. Tout simplement parce que ces mailles-là, c'est normalement les mailles qui sont utilisées pour être cousues, pour faire la couture sur le côté. Mais moi, comme je n'ai pas de couture, je ne voulais pas avoir deux mailles supplémentaires qui auraient abîmé, modifié la forme du patron et le rythme de ces fameuses côtes intermédiaires. Donc là aussi, un petit peu de réflexion. Comment je fais ? Il ne faut pas que j'oublie d'enlever cette maille. Enfin bon, bref. Mais j'y prends beaucoup de plaisir. Donc j'utilise pour ce patron-là, j'utilise des marqueurs ampoules pour identifier où je veux changer mon rythme de côte. J'ai en marqueur de débutant un petit marqueur de chez Ars Mirabilia que j'aime beaucoup, que je trouvais totalement assorti. Et bien sûr, il se met dans l'autre sens. Donc hop, je tourne, voilà. Qui a un petit motif de maille de tricot qui faisait partie de la box de Noël que j'avais reçue. Et pour identifier le milieu de l'autre côté, ben, j'utilise un marqueur de chez Mademoiselle Pluche, de chez Solène, avec l'initiale de mon mari, B, puisque mon mari s'appelle Brice. Et donc, voilà, Ars Mirabilia. Et puis Solène de Mademoiselle Pluche. Donc voilà où j'en suis. Vous remarquerez hein, que je ne suis pas très loin. Mais mon mari, il est tout content parce que j'ai démarré. Et je lui ai dit, pour le coup, je ne vais pas lui faire en secret. Je lui ai dit, j'ai démarré ton pull interminable. Ce sera mon projet, je pense, de l'été. Je viendrai vous le montrer de temps à autre hein, parce qu'il avancera certainement pas super vite. Parce qu'en 3,5 quand même, pour un pull homme, il y en a quand même pour un petit moment. Sur ce nombre de mailles-là, presque 300 mailles. Parce que mon mari, en plus, il est grand. Et puis, il n'est pas épais, mais il est grand. Donc, la longueur sous manche, là, il y en a pour un petit moment. Donc voilà, sur ce que j'ai démarré, avec cette fameuse jolie laine, cette jolie single, qui a été choisie par lui. Donc j'ai deux jeux d'écheveaux pour deux pulls à lui et les deux c'est de la fingering. Donc,
J'en ai pour un moment. Donc voilà, pour ce dernier projet dont je voulais vous parler, je ne vous montre pas les autres parce que soit je n'ai pas fait d'avancée significative, soit j'ai rien à vous dire dessus qui vaille la peine de vous le montrer. Je vous retrouverai certainement la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que celui-ci n'a pas été un petit peu trop fouillis. Je sais que quand je suis sous pression, parfois ça... Il y a trop de choses en ébullition. Que vous avez pris beaucoup de plaisir en tricotant, que vous faites plaisir sur vos ouvrages. Moi, je vous souhaite une très belle journée créative, une très belle semaine créative. Je retourne à mon boulot pour cet après-midi et à mes aiguilles très 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 rapidement. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye. Saw you, I was so nervous to talk.